Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si tu es gentil, tu auras des bonbons. Si tu travailles bien à l'école et si tu as des bonnes notes, je t'achèterai un vélo. Si, l'évangile aussi commence comme ça. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si vous ne croyez pas mes paroles, croyez mes œuvres. Si, toujours ainsi dans l'évangile. Mais c'est autrement. Nous, la récompense, on l'a après. Et Jésus, la récompense, il l'a dit déjà avant. Là, vous avez entendu la quantité de cadeaux qu'il nous donne dans l'Évangile. Il va nous donner un avocat. On a besoin des fois d'un avocat parce qu'on est souvent accusé, parfois à raison, parfois à tort. Alors il nous donne un défenseur pour nous défendre bien sûr du mal, nous défendre des tentations, des sollicitations, des addictions. Donnera un autre défenseur, l'esprit de vérité. Lui que le monde ne peut pas recevoir. Le monde, au sens mondain, est un monde de jalousie, est un monde d'envie, un monde de peur. Et justement, l'esprit de vérité fait la vérité en nous et nous rend libre. La vérité vous rendra libre. L'esprit de vérité nous rend libre par rapport à tout ce qui pourrait être obstacle, par rapport à tout ce qui pourrait empêcher notre relation vraie à Dieu et entre nous. Je ne laisserai pas orphelin. D'abord, l'Esprit sera toujours avec nous, ne serait pas orphelin, donc on a toujours un père et une mère à qui nous référer. C'est ça aussi d'être chrétien. Tout à l'heure, on va dire encore le Notre Père. On dit souvent le Je vous salue Marie, et plus encore en ce mois de mai, on n'est pas orphelin. On n'est pas orphelins, ils sont toujours avec nous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Alors les commandements, c'est quoi? Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un commandement. C'est comme la croix, hein. Il y a un commandement, mais il y a deux montants. Un qui va vers en haut, l'amour de Dieu, et un, l'amour du prochain. Voilà. La croix symbolise justement le commandement. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il a donné sa vie pour que nous aimions le Père et que nous nous aimions les uns les autres. Voilà. Celui qui aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors on a écouté dans les deux autres lectures comment ça s'est concrétisé, comment ça s'est vécu tout au début et comment ça continue à se vivre dans l'Église, dans toute l'histoire de l'Église. D'abord, dans la première lecture, Philippe, l'un des sept, c'est pas l'apôtre, c'est Philippe le diacre, qui arrive dans une ville de Samarie. Et voilà, il annonce le Christ. Alors souvenons-nous, les Samaritains, c'était des gens à part.
des gens qu'on n'aimait pas beaucoup. Jésus avait fait un grand effort pour dire que les Samaritains, ils étaient aussi dignes que les Judéens ou que les Galiléens. Rappelez-vous la parabole du bon Samaritain. Rappelez-vous les 10 lépreux. Un seul est revenu rendre grâce, et c'était un Samaritain. Jésus dit, bon, les Samaritains. Et en effet, voilà que maintenant Philippe se présente à Samarie, et tous les gens, beaucoup de gens, se convertissent. Et alors, il y eut dans cette ville une grande joie. Alors, la nouvelle arrive bien sûr à Jérusalem. Et alors, vous avez remarqué, les apôtres apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ah tiens, Pierre, ce n'était pas le premier pas. Pierre et Jean, donc. Mais ils sont envoyés, c'est la communauté qui les envoie. Alors, vous voyez, quand le pape fait un voyage, il ne va pas seulement en son nom, mais c'est la communauté, c'est l'Église qui, à travers lui, va rencontrer, ou les gens qui viennent le voir. Bien. C'est l'Église, c'est pas seulement une personne. Comme ici, on voit Pierre et Jean, Pierre qui va envoyer par la communauté des apôtres. Ils arrivent donc à Samarie, et là aussi à la manifestation de l'Esprit-Saint. De la lecture de Saint-Pierre apôtre, retenons spécialement, puisqu'il s'agit de la conduite chrétienne, vous vous rendez compte de l'espérance qui est en vous. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris, donc, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Bien sûr, l'amour, ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas un sentiment, plus ou moins passager, plus ou moins enraciné, mais l'amour, ça se voit. Dis-moi ce que tu fais et comment tu le fais, je te dirai si tu aimes, si tu m'aimes, Jésus. Dis-moi ce que tu fais et si tu m'aimes vraiment. Alors, il y a un problème. Aimer Dieu, aimer le prochain. C'est tellement lié que j'aimerais bien que j'essaye, moi, d'en prendre conscience toujours plus. Ce n'est pas toujours facile. On dit que Dieu est absent. Dieu, actuellement, on n'en parle pas beaucoup. Il ne fait pas la une. Bon, nous, entre nous, les chrétiens, on en parle quand même un petit peu. On lui parle aussi. Mais est-ce que cette absence de Dieu n'est pas l'occasion de découvrir une présence de Dieu ? Dieu ne peut pas ne pas être présent. Pour ça, je vous parlais au début de connexion, d'être branché. Il faut que nous soyons connectés sur Dieu. Bien sûr, nous, personnellement, puis aussi avec ce Dieu qui est dans notre cœur, si quelqu'un m'aime, nous viendrons à lui, nous ferons lui notre demeure. À la fin de ces exercices spirituels, saint Ignace nous dit que Dieu habite. Dieu a tout créé, mais rien n'existe sinon par lui. Donc Dieu habite et travaille à l'intérieur de ses créatures, et en particulier à travers l'être humain, et pas seulement les catholiques, pas seulement les chrétiens, pas seulement les juifs ou les musulmans qui croient en un seul Dieu, mais tous les êtres humains. Lorsqu'il faut apprendre, eh bien, c'est connecter avec ce Dieu qui est présent en chacun d'entre nous. Dieu n'est pas absent, c'est nous qui le croyons absent, ou c'est nous qui le rendons absent parce qu'on n'est pas assez connecté, non seulement avec ce Dieu qui est en nous, mais avec ce Dieu qui est en chacun et en chacune d'entre nous. Ben voilà, quand Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et l'Esprit-Saint est là justement pour nous aider à connecter avec le Seigneur qui est présent en chacun et en chacune. Donc, toute rencontre que nous faisons, ça peut être une rencontre avec le Seigneur. Il suffit qu'au-delà des apparences, quelles qu'elles soient ces apparences, nous rejoignions à l'intérieur le Dieu qui est présent. La Sainte Mère Thérèse de Calcutta était une spécialiste. Je me rappelle son témoignage, j'avais entendu à 91 à Rome. Elle me disait qu'une fois elle avait été appelée parce qu'il y avait un homme jeune qui mourait du sida, qui était en train de mourir, il ne voulait pas crever comme un chien. Alors il savait que Mère Thérèse était là, il lui a demandé de venir le voir. Et il est allé, bien sûr, elle a pris un taxi, il est allé. Et voilà, avec son regard, elle a passé toutes ses couches, et elle a fait émerger du profond de cet être, cette présence de Dieu qui était là. Elle a connecté, et elle nous disait, bien, quand il est mort dans mes bras, mais il semblait l'ange de Dieu. Resplendissant. Et c'est ça. Nous pouvons transfigurer le monde si nous restons connectés à Dieu. Voilà
cet amour de Dieu qui nous a demandé tout ce que nous dit Jésus dans cet évangile, dans l'Église, c'est justement pour ça. Il nous donne l'Esprit Saint, il nous donne, voilà, il demeure en vous, il sera en vous, je ne vous laisserai pas orphelin, je suis en mon Père, vous êtes en moi, moi en vous, tout cela. Bien voilà, nous sommes, nous baignons dans un milieu divin, comme dirait d'ailleurs le chapitre. C'est un milieu divin dans lequel nous sommes. Mais c'est à nous, avec, grâce à la foi que le Seigneur nous donne, grâce à l'espérance et à la charité qu'il nous donne, d'être connectés vraiment avec ce Dieu qui est présent, il n'est pas absent. Que la Vierge Marie, heureuse, elle qui a cru, bien nous aide, spécialement ce mois de mai, à faire un pas en avant dans cette découverte de la présence de Dieu en nous, en chacun.